Le modus vivendi, c'est comment nous allons vivre ensemble durant une année ou durant tel temps de période durant l'année, etc. Ce n'est pas donné que les enfants savent en arrivant comment agir, quelles sont nos limites à nous. Et si on n'établit pas nos limites, les enfants vont tester. C'est un petit peu comme la bourse, le marché boursier. On veut savoir quelle est la valeur du dollar aujourd'hui, donc on va voir. Si la valeur du dollar est toujours la même, on ne va pas voir. Alors, c'est la même chose pour l'enfant. Si les limites changent d'un jour à l'autre, il va les tester à chaque jour. Donc, au départ, il faut vraiment être clair avec soi-même. Alors, la première partie de la gestion de classe se fait vraiment entre l'enseignant et lui-même. À quoi est-ce que je m'attends? Qu'est-ce que je vise qui est raisonnable? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes principes? Quelles sont les règles de base que j'aimerais établir avec les élèves? Comment est-ce que je veux qu'on fonctionne?